Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis Grégor Marchand, je travaille sur la néolithisation depuis beaucoup d'années, et puis je me suis plus spécialisé finalement sur le versant chasseur-cueilleur, c'est-à-dire les premières sociétés avant le grand basculement vers le néolithique. Et j'ai beaucoup travaillé en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et puis là, depuis quelques années, j'ai été aspiré par divers amas coquillés sur la planète, Sultanat d'Oman, au Labrador et beaucoup à Saint-Pierre-et-Miquelon actuellement. Toujours sur ces problématiques en fait d'adaptation des humains aux environnements maritimes dans toute leur diversité. Donc là aujourd'hui, je voulais m'essayer un exercice un petit pas de côté par rapport à ce sur quoi je travaille. Donc on va quand même centrer ça sur ce que mon ami Gérald Muche, qui est peintre à Belle Île, appelle le kilomètre affectif, c'est-à-dire il m'a toujours dit parle aux gens de ce qui se passe à un kilomètre de chez eux, pour c'est la manière de les agripper. Donc il y aura dans cette conférence du kilomètre affectif, mais je vais donc essayer de replacer cette néolithisation et de la réinterroger différemment. Donc je vais commencer par vous présenter le modèle général de néolithisation tel qu'on le conçoit actuellement, qui est pas totalement faux, mais qui est un modèle assez linéaire, qui représente finalement la vision du vainqueur. Et c'est ce qu'on appelle finalement une perspective finaliste ou une perspective évolutionniste. C'est-à-dire que on va considérer en fait que toutes les étapes antérieures étaient nécessaires et essentielles pour arriver à cette magnifique société agropastorale que vous connaissez actuellement, et voire même à ses développements industriels. Et pourtant, on pourrait se poser la question différemment, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres choix réalisés par les communautés humaines. Et ça, c'est pas juste un exercice de pure abstraction, mais essayer de montrer en fait pourquoi l'avancée inéluctable vers les sociétés agropastorales n'était pas du tout écrite dans le marbre au départ. Et vous allez voir beaucoup de solutions techniques, sociétales, qui ont été, pleines de succès, hein, qui ont été adoptées par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc l'enquête a... j'ai repéré dans la salle des visages d'archéologues qui connaissent vraiment bien le sujet. Donc veuillez me pardonner pendant quelques minutes, je vais faire des choses un peu larges parce que je voulais être sûr que tout le monde ait à peu près le même niveau de discussion. Donc en gros, ce qu'on appelle le Pléistocène, c'est les âges glaciaires. Ça va se terminer vers 10 000 avant Jésus-Christ en date calibrée, période. Et ensuite, on va rentrer dans le réchauffement actuel qu'on appelle l'Holocène. Ça ne signe pas cette fin de glaciation, signe pas la fin des chasseurs-cueilleurs. Pendant 5000 ans en Bretagne notamment, on va avoir en fait des chasseurs-cueilleurs qui vont se développer, et cette période un petit peu intermédiaire on l'appelle le Mésolithique. Et puis arrive vers 7000 ans avant nous, vers 5000, arrivent en fait ces sociétés ces sociétés agro-pastorales qu'on aime tant, donc vers 5000 avant Jésus-Christ. Donc le Mésolithique, c'est effectivement cette période de fin d'adaptation prodigieuse, hein, de ces humains à des nouveaux environnements, mais c'est également une période d'essai, de tâtonnement à l'échelle de la planète, hein. Vous allez voir beaucoup quelques solutions techniques et sociétales que je vais vous présenter. Donc on est vraiment dans un processus assez long, et surtout il faut le percevoir vraiment comme un processus de tâtonnement, un processus d'essai, et tout ça aboutissant à certains choix techniques qui deviennent finalement relativement inéluctables, mais qui ne l'étaient pas forcément auparavant. Donc en fait, toutes ces joyeusetés apparaissent, c'est vrai que l'image est peut-être un peu fade, j'ai du mal à voir d'ici, tout ça apparaît en fait en Syrie, Palestine, au nord de l'Irak actuel, et puis Iran, où on va trouver l'essentiel des cultigènes et puis des animaux domestiques qui sont actuellement utilisés en Europe. On va avoir en fait ce phénomène de tâtonnement et d'essai qui prend vraiment plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire que on va vraiment avoir une domestication végétale qui est très longue, qui prend 2000 ans, 3000 ans, idem pour les animaux. Tous les animaux ne sont pas domestiqués de la même manière. Et cette espèce de ce qu'on appelle en français le package néolithique se met vraiment en place vers 8000 avant notre ère, et commence en fait à s'étendre d'abord en Anatolie, et puis ensuite en Europe. Donc c'est un processus qui est extrêmement long, et surtout en fait qui va en permanence se recombiner
et se recréer sur lui-même. En gros, ces solutions, je parlerai plus de solutions que de peuples, mais elles sont portées par des peuples qui avancent. Elles franchissent le Bosphore vers 6006-6007 avant Jésus-Christ, et elles arrivent à Dublin, que je vous dise pas de bêtises, vers 4000. Donc vous voyez, il faut à peu près 2500 ans pour traverser un continent que à pied, vous le feriez en 6-7 semaines. Donc en fait, vous imaginez, il a fallu un temps prodigieux, incroyable, pour traverser toute l'Europe. Et ce qui est rentré en Europe, c'est absolument pas ce qui est arrivé en Irlande. On a vraiment une recombinaison permanente de ces sociétés dans leur avancée. Et dans cette recomposition, il y a évidemment un mouvement qui est endogène à ces groupes d'agriculteurs. On pourra peut-être en parler un peu après. Je vais être obligé d'aller un peu vite là-dessus. Mais également, il y a une très grande part d'interaction avec des gens qui étaient là depuis 40 000 ans au moins, Homo sapiens sapiens, et qui n'avaient pas forcément envie de partir, ni de laisser leur forêt aux nouveaux arrivants. Donc en fait, on va avoir des phénomènes de recomposition que nous, archéologues, allons percevoir notamment par des échanges d'outils ou justement par des refus d'échanges d'outils, des échanges techniques, des manières en fait de partager des espaces. Et puis la génétique actuellement nous aide beaucoup pour essayer de comprendre ces grands mouvements de population, parce que mouvements de population il y a eu. Donc là sur la carte, vous voyez à peu près les deux grands mouvements qu'on connaît en Europe, et j'en ai bientôt fini pour les grandes généralités. Donc on a ce mouvement en fait de centre européen qui va grandir, si vous voulez, en Hongrie, qui va connaître vraiment une phase de réincubation, si vous voulez, en Hongrie. Il va y avoir un blocage de presque un demi-millénaire. Et puis ensuite, c'est le grand basculement. On a vraiment des groupes en fait d'agriculteurs qui vont se répandre. Là, la carte de Jean Guilaine, elle a beaucoup évolué. En fait, et maintenant, ce courant vert, vous pouvez le faire aller jusqu'à Brest et sur toute la Bretagne. Donc, on a vraiment un courant très uniforme de néolithisation avec un déplacement de population qui va vraiment napper tout le centre nord de l'Europe. Et puis, on a une progression beaucoup plus curieuse le long des côtes méditerranéennes avec des changements très très réguliers de configuration et qui vont en gros aller de l'Adriatique jusqu'à Noirmoutier par une progression saltatoire comme ça en partie jusqu'à Lisbonne et puis aussi un franchissement du seuil du Lauragais et puis une extension de la vallée de la Garonne et une arrivée en Vendée, si vous voulez. Donc ces deux courants, il n'échappera pas à votre sagacité que ces deux courants se rejoignent dans l'ouest de la France. Et si vous rajoutez le troisième partenaire sur lequel je vais beaucoup insister aujourd'hui, les peuples mésolithiques, les chasseurs-cueilleurs autochtones, vous imaginez l'espèce de bouillon culturel qui a eu lieu entre 5003, si vous voulez, avant Jésus-Christ, et 5000. On a à peu près 300-400 ans de mouvements assez importants où on va avoir trois acteurs qui vont occuper le terrain armoricain, si vous voulez. Alors maintenant, j'en ai fini un peu pour les généralités. Je vais vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, comment apparaît cette néolithisation? Elle a tout d'une irruption relativement brutale, si vous voulez, à l'échelle de la Bretagne. Si on reste juste sur l'échelle de la Bretagne, là c'est des sondages que j'avais fait à Cléguérec, donc qui est un de ces anciens villages du néolithique ancien que localement on appelle le Villeneuve-Saint-Germain, qui est un faciès, hein, mais ça c'est pas un faciès néolithique. Toujours est-il qu'on va vraiment avoir une irruption de ces groupes néolithiques qui arrivent avec armes bagages. Ils arrivent avec des plans de maisons trapézoïdaux, ils arrivent avec évidemment leur cultigène, avec leurs bestioles domestiques, hein, notamment le bœuf, un peu de mouton et surtout beaucoup de porc. Ils arrivent avec la céramique, ils arrivent avec les haches polies, ils arrivent même avec leurs matériaux siliceux, hein, leurs silex. C'est-à-dire qu'ils vont pas utiliser les mêmes roches que les chasseurs-cueilleurs locaux. Donc on est vraiment dans une rupture. Et si vous voulez avoir une date, je pense que vous pouvez retenir la date de 5000 avant Jésus-Christ. On a toujours quelques soucis avec le radiocarbone, mais grosso modo, si vous voulez, vous pouvez garder cette date de 5000 avant Jésus-Christ comme la fin de ces mondes de chasseurs-cueilleurs.
Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup de semences particulières. Le courant néolithique de néolithisation méditerranéen a développé une plus grande variété, si vous voulez, de cultigènes, notamment de blé, beaucoup de légumineuses. L'ère centre-européenne a plutôt insisté sur l'amidonier, un certain type de blé, et beaucoup sur l'orge. Et donc, ce qui peut aussi expliquer cette progression très lente, il y a évidemment des rythmes démographiques, on pourra discuter de ça, mais c'est également la nécessité d'adapter des cultigènes qui sont nés, si vous voulez, dans le croissant fertile, hein, qui sont nés en Syrie, qui sont nés au Kurdistan. Donc on est vraiment dans un processus relativement lent d'adaptation de ces cultigènes aux environnements de plus en plus humide de l'Europe. Alors voilà par exemple du matériel archéologique qui avait été trouvé sous l'actuel au nord de Rennes, sous l'actuel décathlon de béton. Donc vous voyez typiquement cette signature en fait de ces premiers agriculteurs avec des bracelets en schiste poli, avec certains types de roches qu'on connaît pas du tout au Mésolithique, hein, ici qu'on appelle les opales résinites, des très belles lames en silex qui viennent de la plaine de Caen. Des outils également en silex qui viennent de la plaine de Caen. Tout ça, c'est du matériel qui est totalement importé. Donc, s'il fallait vraiment signer une invasion, si vous voulez, hein, j'ai utilisé les mots un peu forts, mais si vous voulez, une arrivée de population, une submersion, on peut difficilement faire mieux du point de vue des preuves archéologiques. Alors, sur cette carte, vous voyez un peu une carte de l'avancée des troupes, si vous voulez. En rouge, là, tout ce que j'ai appelé Villeneuve-Saint-Germain. Je ne sais pas si on voit bouger la flèche, peut-être pas tant que ça. Donc, sur toute la Bretagne, tous ces carrés rouges, en fait, c'est des sites du néolithique ancien qu'on appelle Villeneuve-Saint-Germain. On a des occupations un peu plus anciennes dans la plaine de Caen, vers 5100, et puis vers jusqu'à 4009, 4008 avant Jésus-Christ, on va avoir ce recouvrement néolithique sur la Bretagne. Le petit courant méditerranéen, il arrive vers 5003, 5002 avant Jésus-Christ, mais on a beaucoup de mal à le caractériser. Depuis que j'ai commencé à travailler sur le néolithique, je crois qu'il n'y a pas eu de grands sites trouvés depuis les années 90. Donc on a vraiment du mal à repérer ces traces. C'est toujours un petit tesson par-ci sur une plage, un petit outil en silex. Mais pour l'instant, on n'a pas une connaissance particulièrement pertinente de ce courant. Comme je vous le disais, maintenant, sa progression maximale, elle est sur l'île de Noirmoutier. Donc il existe à peu près une interface, vous voyez, autour de l'actuelle embouchure de la Loire. Donc vous voyez un peu un état des lieux des forces en présence dans l'ouest de la France, avec pour l'instant un non-recouvrement des deux courants de néolithisation dont je vous parlais. Alors, pour synthétiser un peu la manière dont ça se passe, en haut, vous avez l'évolution des groupes mésolithiques. Donc là, on va avoir par exemple une très grande phase sur laquelle je vais insister pas mal sur Béguerville, donc vers 6002, 6000 avant Jésus-Christ. Ensuite, on va avoir divers groupes. Et puis, ça se termine par Téviec, que vous connaissez peut-être, ces grandes nécropoles mésolithiques qui sont pour l'instant les plus récentes du mésolithique. Et puis, en parallèle, sans jamais vraiment, et ça fait partie de l'histoire, sans jamais vraiment que ces groupes se confrontent ou aient des relations directes, on va avoir l'histoire néolithique avec, comme je vous disais, cette première incidence néolithique dans la plaine de Caen, et puis ce développement qu'on appelle VSG, hein, si vous voulez, Villeneuve-Saint-Germain en Bretagne, ce courant néolithique ancien qui est curieusement, qu'on connaît un peu à 5003 en Gironde, mais avec des dates assez mauvaises, et qu'on connaît surtout très bien à partir de 4007, et puis ensuite le développement du mégalithisme. Donc ça, voilà, c'est un peu pour cadrer l'histoire générale de la néolithisation telle qu'on l'entend actuellement et telle qu'elle est à peu près acceptée. Et puis voilà les nouveaux d'autres intervenants en fait qui sont ces derniers chasseurs-cueilleurs qui vivent systématiquement sur des espaces maritimes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez propre qu'on connaît bien maintenant sur toute la façade atlantique de l'Europe et la mer du Nord également, avec des phénomènes de résistance très très longues. Alors pour la, par exemple dans le sud du Portugal, dans ce qu'on appelle l'Alentejo et en partie sur l'Algarve, vous avez des groupes qui vont rester à peu près 600 ans de résistance, si vous voulez, aux
au néolithique. Dans le nord de l'Espagne, c'est encore plus long, c'est-à-dire qu'on va presque avoir 800 ans de continuation des modes de vie mésolithiques. Pour chez nous, dans les pays de la Loire, là vraiment, on a des données qui sont assez lacunaires. En revanche, pour la Bretagne, on aurait des groupes qui tiennent tête, si vous voulez, au néolithique pendant à peu près 400 ans. Et puis les champions du monde de la résistance, ce sont les Danois, hein, avec des groupes mésolithiques qui évoluent pendant presque plus de 1000 ans en parallèle des groupes néolithiques. On les connaît très très bien. Ils adoptent un peu la céramique, mais ils restent relativement ils sont bien ancrés, pardon, sur leurs écosystèmes et idem à l'embouchure du Rhin et sur l'actuel Pays-Bas, un groupe qu'on appelle le Swifterband, qui lui aussi va tenir la dragée haute au groupe néolithique pendant presque 1000 ans. Donc en fait, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces chasseurs-cueilleurs ont réussi à résister à cette espèce d'avancée inéluctable de cette solution agro-pastorale qui n'était pas forcément évidente, hein, vous allez la voir. Et c'est un peu la question centrale, hein, c'est qu'est-ce qui permet à ces groupes de tenir la dragée haute un moment aux groupes agro-pastoraux, et puis finalement, quelles étaient les solutions qu'ils avaient à proposer. Et puis même, inéluctablement, on se pose la question de la chute. Alors la traduction armoricaine, si vous voulez, de ces... j'ai du mal à savoir si on voit bien, parce que c'est assez fade d'où je suis. C'est pas terrible. Peut-être qu'on peut baisser un peu la lumière. Non. Bon, bah tant pis. Je vais vous décrire. Donc la traduction armoricaine, ce serait un peu ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des villages qui sont plutôt continentaux, avec des vrais villages d'agriculteurs, hein, sur lesquels je vais un peu revenir, mais qui sont vraiment des villages solidement implantés dans le sol. Vous allez avoir ces derniers groupes de chasseurs-cueilleurs entre 6002 et 5003, qui sont centrés en fait sur la côte et puis sur les grandes îles morbihanaises. Et puis la question inéluctable, dans une phase ultime, on va avoir cette première monumentalité funéraire, première monumentalité cultuelle. Est-ce qu'elle a un lien avec cette interface entre les agriculteurs et les chasseurs-cueilleurs? Pourquoi finalement le mégalithisme apparaît justement à l'endroit où on a cette confrontation de longue durée? Est-ce qu'il y a un rapport? On va examiner la chose. C'est pas forcément évident, mais c'est vraiment une question cruciale, parce que ce vieux mégalithisme armoricain, vous savez que c'est quand même quelque chose qui a une valeur, même ne serait-ce que touristique, symbolique, monumentale. C'est quand même assez curieux qu'il apparaisse un siècle ou deux après cette grande confrontation entre derniers chasseurs-cueilleurs et premiers agriculteurs. Est-ce que ça a un lien? L'histoire classique aurait tendance à le dire, mais on peut peut-être se poser différemment la question, vous allez le voir. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'un des monuments les plus extraordinaires et les plus emblématiques, le tumulus Saint-Michel à Carnac, est un des plus anciens. Il y a des dates anciennes dans le caveau central, que je vous dise pas de bêtises. Alors, c'est ça, on est presque à 4006 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi ce monument est important? Tout simplement parce que déjà, par la taille, hein, vous avez vu, il a une taille assez prodigieuse, à tel point qu'on a pu construire une église dessus. Il a aussi une importance étonnante dans sa complexité funéraire, avec deux caveaux à l'intérieur. Alors là, l'image est vraiment toute petite, deux très beaux caveaux, et puis une ribambelle de petits coffres tout autour, un peu comme si on avait des caveaux de dominants, et puis avec des serviteurs autour. Et puis surtout, une thésaurisation assez incroyable de matériaux de prestige ou socialement valorisé, 11 grandes lames de hache polie, de la fibrolite, des perles, des pendeloques. Ce qui est assez intéressant à noter, il y a eu des très gros programmes de recherche, là, notamment menés par Serge Cassen et puis Guirec Quéré sur divers éléments. Pardon. Ces grandes lames en hache polie viennent pour la plupart des Alpes. Donc vous voyez, ça dans un milieu néolithique qui est encore couvert de forêts, sans grandes autoroutes, vous imaginez le temps d'acquisition et surtout le coût, finalement, la valeur de ces haches
qui venaient des Alpes. L'avaricite, elle vient des études récentes en fait de Guirec-Quéré ont montré que ça vient pas de Barcelone, ce qui était déjà assez grand. Ça vient du nord de l'Andalousie. Donc vous avez des matériaux en fait qui vont traverser l'Espagne et la France pour venir être enterrés au tumulus Saint-Michel. Les haches en fibrolite, on a également des carrières locales, mais c'est peut-être aussi des carrières qui viennent d'un peu plus loin du Massif central. Donc vous voyez, on a cette thésaurisation, elle est très très importante. C'est-à-dire que les gens qui ont été inhumés, non seulement c'est probablement pas eux qui ont trimé pour construire le tumulus Saint-Michel, donc ils ont réussi à faire bosser des gens pour eux, donc à créer une dynamique et probablement un type de coercition. Et puis ils ont réussi aussi à accumuler des objets de très haute valeur. Et je rajouterais aussi quelque chose, c'est qu'ils ont réussi à pas se le faire piller, parce que ceux qui ont visité l'Égypte ont dû être saisis par ça, c'est-à-dire qu'à peine un pharaon était inhumé et avec la beauté, son tombeau était immédiatement pillé. Donc on a vraiment, il faut pas oublier que les gens qui ont été inhumés dans le tumulus Saint-Michel, ils ont eu un pouvoir post-mortem suffisant pour repousser les agressions ultérieures. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est probablement des gens à très haut pouvoir. Et ce qui est étonnant, c'est que ça apparaît relativement tôt. Donc, vous voyez, vers 4007, 4006 avant notre ère. Et puis, il y a ces monuments plus que vous connaissez plus, hein, notamment cette série de grandes stèles qui vont apparaître au néolithique moyen. Et puis, un peu plus tard, ces grands dolmens à couloirs. Alors, pour terminer cette première partie de l'exposé, voilà une perspective, disons, évolutionniste classique de la néolithisation telle qu'on la raconte, telle que moi je l'ai beaucoup aussi racontée. C'est qu'on va avoir ces derniers chasseurs-cueilleurs sur lesquels maintenant je vais insister, qui vivaient une vie conçue légèrement comme sordide, si vous voulez, en bord de mer, mais sans véritables histoires, avec un petit assassinat ou deux, mais rien de particulièrement prégnant, vous voyez, et donc des gens plutôt paisibles qui ont eu le bon goût en plus de s'effacer devant les magnificences de la société néolithique. Ensuite, on avait cette irruption relativement forte, hein, et qui est difficile à remettre en cause, hein, quand vous voyez la génétique, je vous en reparlerai tout à l'heure, la génétique vient confirmer ça. On va avoir une irruption relativement forte de ces populations avec le néolithique ancien, plutôt d'origine centre-européenne. Et puis, les groupes néolithiques ne pouvant plus s'étendre à cause de la barrière océanique, ils ont dû résoudre d'une autre manière leur conflit interne, parce qu'il était compris dans la pochette surprise que dès qu'on avait... ces groupes en fait s'étendaient progressivement à mesure que les tensions naissaient dans ces villages d'agriculteurs. On avait en fait des extensions et progressives qui font que finalement on couvrait toute l'Europe. Quand vous arrivez et que vous êtes bloqué par l'océan jusqu'à Christophe Colomb et Vasco de Gama, il a fallu résoudre d'une autre manière ces tensions internes. Et l'idée était que les groupes grossissant, les inégalités sociales se sont développées. Et puis, on a eu le développement du mégalithisme. Donc, voilà l'histoire, disons, la perspective évolutionniste de la néolithisation telle que on peut la raconter, telle que je l'ai racontée et je continue à la raconter. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez normé, qui nous semble logique, mais finalement, quelle est la logique entre l'accroissement démographique et le développement des inégalités? Ça nous semble être normal parce que nous, on vit dans ces modèles historiques de compréhension de l'histoire. Il y a énormément d'exemples qui vous montrent qu'on a des très grandes sociétés à grande densité sans hiérarchie sociale très, très affirmée. Donc, en fait, encore une fois, de quelle manière nous, on raconte cette histoire? Est-ce qu'elle a une réalité ou est-ce que c'est simplement un fantasme qui nous permet de valider les grands choix et les grandes orientations de notre société actuelle? Alors, les accros dans ce modèle, j'en vois déjà un premier, c'est des effets très tardifs de la néolithisation sur l'environnement. Par exemple, donc je vous disais qu'on a une colonisation, un développement de ces villages agro-pastoraux qui sont à l'évidence agro-pastoraux, puisqu'on a des meules, on a des cultigènes et on a également des animaux domestiques. On est vers 5000, 4009 et étonnamment, dans la végétation, l'impact humain n'est visible que vers 4005. Donc 4005, vous savez, on a quasiment 400 à 500 ans, presque un demi-millénaire, où on ne voit quasiment pas d'impact anthropique, d'impact humain sur la végétation. Et ça pose une question
très importante sur la nature de ces sociétés agricoles. Si elles ont une signature quasi nulle sur l'environnement, vous pouvez quand même vous poser la question de l'ampleur et de l'importance de ces solutions agricoles. On a aussi quelque chose qui est assez étonnant, et je vais beaucoup insister là-dessus aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui m'étonne de plus en plus, c'est finalement cette résilience et cette robustesse des groupes mésolithiques. C'est-à-dire qu'ils ont des évolutions très... très très lente, techniquement parlant. Moi j'arriverai, on est quelques-uns à pouvoir voir des différences entre le début du mésolithique final et la fin du mésolithique final, mais je vous promets que c'est vraiment des micro-détails qui vous échapperaient très probablement. S'ils vous échappent, c'est probablement parce qu'ils sont relativement minimes. Et donc, on a vraiment des cultures qui sont efficientes et qui sont très très bien installées, et on peut se poser la question pourquoi elles sont aussi bien installées alors que l'environnement change de manière relativement drastique. C'est que je reviendrai un peu là-dessus, mais on a une remontée du niveau marin qui est extrêmement forte, on a des catastrophes naturelles, on a des réductions des territoires, et pourtant ces groupes mésolithiques restent robustes, assis sur leur environnement, et il faut se poser la question en fait de leur capacité de résilience. Et puis on a également, bah donc ça nous amène à ces histoires de choix culturels, mais également d'évitement des populations. Et là je terminerai sur ces nouvelles données génétiques qu'on vient d'acquérir sur Teviec et Edic, et qui sont assez extraordinaires et qui montrent vraiment probablement aussi des manières en fait de résister, si vous voulez, à ces développements des économies agro-pastorales. Vous allez me dire, à la fin, ils ont gagné. Et oui, c'est vrai qu'à la fin, ils sont tous devenus agriculteurs et les chasseurs-cueilleurs ont disparu. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait sur plusieurs siècles. Alors, on en est où du point de vue de ces derniers chasseurs-cueilleurs? On est d'abord la Bretagne, enfin même toute l'Europe tempérée est couverte d'une forêt très dense. En fait, on est dans un schéma très avancé de développement de la forêt. Vous savez, quand la steppe périglaciaire, enfin quand les glaciers se sont retirés, que le climat s'est amélioré, on a d'abord eu des steppes, on a eu des végétations de reconquête, des bouleaux, des conifères, ensuite des noisetiers. Et puis cette forêt tempérée s'est installée vers 7005 avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment développé. C'est une forêt qui est très largement dominée par des chênes qui croissent dans des environnements relativement fermés. On le voit bien avec les cernes de croissance des arbres qui sont très serrés. Donc on est dans des forêts qui doivent être relativement claires en dessous parce que tout simplement les petits végétaux n'ont pas le temps de pousser. Au niveau des animaux, on est vraiment on a des grands mammifères qui sont plus ces grands mammifères grégaires type rennes, chevaux. Bison, aurochs. On est plus dans des animaux qui fonctionnent en petite harde et la trilogie habituelle, c'est cerf, chevreuil, sanglier, avec vraiment une domination quand même du cerf et du sanglier. Voilà. Et puis évidemment sur la côte, on a diverses espèces sur lesquelles je reviendrai, mais ils ont une capacité à manger à peu près tout ce qui se mange dans un environnement holocène. Donc des gens qui sont très bien insérés dans ce climat, mais il faut vraiment imaginer des forêts très denses et qui vont quasiment jusqu'au rivage. On a vraiment une croissance de cette chênaie jusqu'en bord de mer. Donc le mésolithique, c'est une civilisation du bois. Et à mon grand dam, hein, une civilisation du végétal. Tout simplement, pourquoi c'est dramatique? Bah parce qu'en fait, ça se conserve très très mal, hormis dans des tourbières, hormis sous forme de charbon, de choses comme ça. Donc on le sait grâce à certaines découvertes en Europe du Nord ou dans le centre du bassin parisien. On est dans des systèmes techniques qui privilégient le bois. Des systèmes techniques basés sur les pirogues, sur des huttes en bois, sur des paniers en osier, sur des nasses. C'est des gens qui tressent beaucoup le végétal. Et puis, c'est également la période de la chasse à l'arc et aux flèches. Et donc, finalement, le silex, là-dedans, si je vous ai montré toute la panoplie, ben ça, c'est des réconstitutions récentes, mais toute la panoplie, en fait, des outils mésolithiques. Et qu'est-ce qu'on trouve la plupart du temps? Ben, on va trouver est-ce que vous le voyez ici, c'est toute petite pointe de flèche en silex qu'on va trouver au bout des pointes de flèche. Donc l'archéologue prétentieux que je suis va dire qu'il va reconstituer la totalité du système technique avec seulement ces tout petits morceaux de pierre au bout des flèches. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'oubris
pas l'oubris poutinienne, mais l'oubris de l'archéologue qui est persuadé qu'il a, il a toutes les clés alors qu'il étudie vraiment certains tout petits rouages. Donc, une micro-leçon d'humilité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est l'emprise de ces groupes préhistoriques sur sur la Bretagne. Alors, vous allez me dire, on a l'impression qu'ils sont que dans le Finistère. Ben, c'est parce que pendant longtemps, il y a eu énormément de travaux sur le département du Finistère. Et donc, on a une meilleure connaissance de ces zones-là. Mais là, par exemple, j'ai cartographié tous les types d'habitats qu'on a. On a des petits habitats en grotte. On va avoir des habitats, des très grands habitats de bord de fleuve. Pour la région, ben, pour le sud de la Bretagne, on va avoir ces amas coquillés sur lesquels je vais beaucoup insister. Celui de Beganderschön à la Torche, bon celui-là il a disparu à côté du Pouldu, et puis Teviec ici, Béguerville et Édic, qui sont vraiment les joyaux de la couronne, hein, qui sont vraiment des sites où on a énormément d'informations. Alors, cette dimension océanique de ces chasseurs-cueilleurs, elle est extrêmement importante à retenir. On est dans des milieux d'écotones, c'est-à-dire des milieux d'interface entre deux grands écosystèmes, écosystèmes maritimes, écosystèmes continentaux, et donc avec des richesses assez étonnantes. On a également ce phénomène des marées qui fait que toutes les deux fois par jour, vous avez l'ouverture d'un garde-manger assez énorme, qui est notamment dominé par les protéines, hein, beaucoup, même si... J'ai des collègues qui essayent de travailler sur la consommation des algues au Mésolithique. Pour l'instant, je trouve ça vertueux d'essayer de le trouver, mais il n'y a pas vraiment de démonstration archéologique. Toujours est-il que donc on a des sources protéiques qui sont d'acquisition relativement facile pour les crustacés, les mollusques, certains poissons aussi qui se rapprochent de la côte. Et donc, on a vraiment des écosystèmes qui sont très riches et qui sont relativement faciles à exploiter quand vous disposez de systèmes techniques adéquats. Hein. Donc, ça veut dire navigation et puis notamment les pêcheries. Je vais revenir dessus. Donc, ça, c'est pour les aspects positifs, c'est qu'on mange bien en bord de mer. Les aspects négatifs, c'est justement que la mer, elle a une furieuse tendance à monter encore à cette période-là. Au début du Mésolithique final sur lequel, si vous voulez, allez, on va donner des dates, ce sera peut-être plus facile. Vers 6005 avant Jésus-Christ, on est autour de 17 à 20 mètres sous l'actuel. La mer remonte relativement vite encore. Et puis, à l'époque de Béguerville, on est entre 11 et 12 mètres sous l'actuel. Et à la fin du Mésolithique, on est 5 mètres sous l'actuel, ce qui correspond, si vous voulez, les plus hautes mers du Mésolithique, de la fin du Mésolithique, correspondent aux actuelles plus basses mers, pour vous donner l'idée. Alors, vous avez des sites côtiers, comme le plus célèbre d'entre eux, ici, Teviec, qui finalement vont être transformés en îles à la fin du processus. Vous voyez, là, c'était la presqu'île de Quiberon. Idem pour ici, vous avez le site de Béguerville. Et puis actuellement, maintenant, il est vraiment bordé par la mer. Donc, vous voyez, ce phénomène de remontée marine, il va se faire à peu près. Ça va monter d'à peu près de 60 mètres en 2000 ans. Et puis, ça commence à se calmer au Mésolithique final avec la séparation des grandes îles bretonnes vers 6005-7000. Toutes les grandes îles comme Belle-Île, Groix, Lensemble, Watt, Édic vont vraiment être séparées du continent et vont se transformer vraiment en domaine insulaire. Donc finalement, et ça, c'est un mouvement à l'échelle de la planète, hein, si vous voulez, autour de 6005-7000, on a vraiment... La remontée de la mer commence à se calmer vers moins 15 et puis là, ça continue jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est une des richesses de l'archéologie bretonne, c'est qu'on a vraiment une dimension insulaire qu'on n'a pas ailleurs. La plupart des autres îles ont été submergées ou sur la façade atlantique. Donc, on a vraiment un témoignage assez étonnant et assez primordial. Les Portugais n'ont pas ce genre de... Alors qu'ils ont un mésolithique extraordinaire, mais ils n'ont pas ce genre de témoignage. Les Espagnols non plus. Il faut aller jusqu'en Écosse pour avoir encore des infos sur une économie insulaire. Pour nous, donc en Bretagne, c'est pour ça qu'on essaye beaucoup de travailler sur ces îles. Tout simplement, en fait, on a une mobilité. On va avoir des groupes qui vont circuler des îles jusqu'au continent et aller et retour par navigation, évidemment, parce que je pense que l'hypothèse de l'aviation a été rapidement évacuée par les archéologues. Donc, on est plutôt dans des systèmes de navigation. On va se poser une première question, c'est qu'est-ce qui attire les gens sur ces îles? C'est plutôt des écosystèmes relativement pauvres. Il y a toujours un dernier crétin et un crétin qui a tué le dernier sanglier, le dernier chevreuil, le dernier humain. Bon, il ne doit pas être dans cette salle, mais il y a toujours un humain qui a tué une des dernières bestioles sur ces îles. Donc, c'est des ressources qui,
qui peinent à se renouveler en termes de mammifères continentaux, si vous voulez. Du point de vue géologique, ça c'est un hasard de la géologie, c'est des îles où il n'y a pas de ressources minérales particulièrement attrayantes. Alors qu'est-ce qui a pu intéresser les gens? D'une part, il y a toujours peut-être ce processus humain d'aller toujours aux limites des possibilités géographiques. Et puis, il y a peut-être aussi les possibilités de chasse, de chasse aux mammifères marins, pardon, ou de pêche. Donc voilà. Alors, se pose la question de la navigation, qui est vraiment au centre actuellement de nos travaux avec plusieurs collègues. Parce qu'en fait, on a un léger souci au Mésolithique. On a plein de sites sur les îles. J'ai des sites à Édic, à Belle-Île, à Groix. Donc on a vraiment des sites du Mésolithique final à des périodes où les îles étaient des îles et étaient détachées du continent. On a des témoignages permanents des interactions, tout simplement globalement il y a une règle d'or en archéologie: dès qu'un groupe s'isole dans une île, donc c'est les Anglais à partir de 6005, c'est les premiers chasseurs-cueilleurs en Corse, très très vite leur système technique évolue, on a une perte en général de technicité, il y a ça en Tasmanie également, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un appauvrissement technique assez net, hein, qui apparaît relativement vite, du fait même que les populations sont coupées des continents. Or, pour nos îles bretonnes, on a absolument pas ça, c'est-à-dire que vous prenez une poignée de silex d'un site actuel de Édic et vous le balancez sur la côte, je serais incapable de discriminer les deux. Donc on a vraiment une nécessité, si vous voulez, d'échange permanent. Autre chose, par exemple, à Édic, sur la macoquillée de Édic, sur laquelle je parlerai rapidement, donc on a la trilogie cerf, chevreuil, sanglier habituel, du phoque également, qui a été bouffé. Mais curieusement, donc ça, c'est des animaux dont on peut estimer, le cerf, ça pose déjà problème, le sanglier, le chevreuil, il n'y a pas de souci, hein, ils vivent dans des espaces relativement restreints. Les sangliers vivent sur les plages, hein, vous le verrez tout à l'heure. Mais pour l'auroch, on a des os de aurochs, et ça pose un problème, parce que les aurochs, ils ont quand même besoin de grands espaces. Donc ça aussi, ça témoigne probablement d'un homme ou d'une femme du méso qui sont venus avec leur gigot. Donc vous voyez, la navigation est nécessaire au Mésolithique. Le problème, c'est qu'on n'a aucun outil pour fabriquer des grosses embarcations et des pirogues monoxyles. On n'a pas de hache, on n'a pas de chopper, vous voyez, de grosses pierres, on n'a rien de coupant. On a des petits outils de travail du végétal, mais qui seraient à peu près l'équivalent d'un couteau Laïole, si vous voulez. Et c'est tout. J'allais dire c'est à peu près tout. Non, c'est totalement tout. Donc, en fait, on a un vrai problème pour fabriquer des embarcations. Par ailleurs, donc avec des collègues, on s'est rapidement orienté vers des modèles de bateaux composites, hein, qui seraient avec des tiges végétales et puis des pots. Mais même au Mésolithique, on a un deuxième problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour travailler les pots. On n'a pas de grattoir, on n'a pas d'autres outils. Donc vous voyez, on est vraiment confronté à un problème technique assez marrant, assez étonnant. C'est qu'il nous faut de la navigation, mais on n'arrive pas à trouver les outils pour les fabriquer. Donc là, on a un programme de recherche qui vient de commencer en janvier, où on essaye justement de recréer des bateaux. On a déjà commencé à refaire sur des modes, des coracles notamment. Donc on essaie de travailler sur les référentiels historiques et ethnographiques pour pas, par exemple, pondre ici en Europe une pirogue à balancier alors que finalement, historiquement, on n'en a jamais connu. On essaye de voir les contraintes techniques que je viens de vous énumérer. On essaye aussi de voir les contraintes environnementales. Par exemple, il ne s'agit pas de recréer un canoë en écorce de bouleau comme feraient les Indiens Mi'kmaq à Terre-Neuve. Tout simplement parce qu'on n'a pas ces bouleaux à grosses écorces. Et puis, nantis toutes ces informations, de toutes ces contraintes, on fait intervenir des associations, enfin des gens qui travaillent sur des expérimentations, et on lui dit voilà, maintenant tu nous construis un bateau avec tout ça, quoi. Et c'est pas forcément très très aisé, mais c'est assez rigolo. Et l'idée, c'est justement d'essayer de comprendre les moyens de navigation et comment ça va orienter la totalité du système technique. Alors, il ne faut pas oublier que ces gens sont très mobiles et qu'on a, moi, on travaille beaucoup actuellement sur les habitats littoraux, mais ils sont évidemment en continuité avec les habitats continentaux qu'on connaît un petit peu moins bien, mais qu'on a beaucoup fouillé. Alors, le centre de l'attention, c'est ce qu'on appelle des amas coquillés. Sous ce nom exotique, en fait, c'est vraiment des accumulations, en fait. Alors, soit purement de coquilles, c'est-à-dire que les gens ont vraiment becqué énormément de coquilles. Ça, c'est notamment les sites de fond d'estuaire, hein, au Portugal. Les gens sont collés à des grands bancs de coquillages
ils doivent en manger tant et plus, à tel point qu'on a vraiment des montagnes qui font 7 à 8 mètres d'accumulation de coquilles. Nous, dans l'Ouest, on est dans des systèmes un peu différents. On les appelle également abats coquillés, mais on a à la fois des coquilles, mais dedans, on a également des charbons, des ossements, des foyers. On a en fait un beau gros niveau d'ordure. Alors là, vous voyez, par exemple, à Béguerville, ici, à Quiberon, tous ces petits points blancs, c'est des coquilles, mais c'est emballé, si vous voulez, dans un sédiment noir. Ici, il y a Marthe Saint-Just-Pécard, qu'on voit en photo dans les années 30, qui fouille l'amas coquillier de Téviec. Et vous voyez, les coquilles, on en voit quelques-unes, mais c'est pas totalement dominant. Donc c'est des niveaux d'ordure assez exceptionnels. Pourquoi exceptionnels? Parce que tout simplement, à la dissolution de ces coquilles très progressives, elle va libérer dans le sol des carbonates qui vont tamponner l'acidité du sol. Et donc on va avoir vraiment une préservation des matériaux organiques qui serait impossible dans les sols acides de l'ouest de l'Europe, qui sont surtout dominés soit par des massifs granitiques, granitiques et métamorphiques, soit par des sables. Et donc, seule la présence de ces coquilles va garantir la préservation de ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces sites-là. Ils sont pas du tout dominants dans les sites qu'on connaît. Hein. Les sites de plein air sont beaucoup plus nombreux. Mais c'est les sites les mieux préservés qu'on connaisse. Donc, vous voyez, les hotspots, c'est le Portugal, le nord de l'Espagne. Nous, on est relativement peu mal achalandés, si vous voulez, dans le sud de la Bretagne. Et puis, le littoral de ce qu'on appelle la culture aubanienne en Écosse, le littoral occidental de l'Écosse a également beaucoup de ces témoignages. Alors, pour exploiter ces sites, on a vraiment un renouveau des techniques et des méthodes de fouilles. Là, vous voyez, on a des protocoles de tamisage extrêmement longs et de tri, notamment à sec. On a également des analyses, ce qu'on appelle micromorphologiques, c'est si vous voulez, en lame mince des sols, qui nous montrent, vous voyez, là, par exemple, vous avez des petits os de poisson, vous avez des coquilles, vous avez des cendres, et qui nous montrent vraiment les rythmes d'accumulation des sols dans ces amas. Plus récemment, maintenant, on fait des analyses de l'ADN ancien directement dans les sédiments. On a aussi des méthodes de datation qui se sont beaucoup améliorées, notamment les datations des dunes avec ce qu'on appelle l'OSL, c'est-à-dire vous datez la dernière fois qu'un grain de quartz a vu la lumière. Et puis, ce qu'on développe de plus en plus actuellement, c'est des prospections à travers les dunes avec des vérifications par des petits sondages et des analyses géomagnétiques pour essayer de retrouver des anciens niveaux de sol et essayer de cartographier, si vous voulez, sur une très large zone, ces amas coquillés. Là, par exemple, c'est les travaux qu'on mène à Édic, à l'ouest de l'île de Édic. Là, vous avez l'amas coquillé célèbre. Et puis, il y a toute cette zone-là sur laquelle on travaille assidûment. Ah oui, puis voilà. Et puis, on a des analyses maintenant. La meilleure comparaison, ce serait des analyses balistiques, si vous voulez, hein, ce qu'on appelle la tracéologie, des analyses fonctionnelles. C'est toutes les usures des outils qui nous informent, en fait, sur les matériaux qui ont été analysés. Alors, quelles ont été nos proies ces dernières années? D'abord, c'est le site de Béguerville, dans le Morbihan, qui avait été fouillé par Olivier Kaiser dans les années 80. Et puis sur lequel on a jeté notre dévolu avec Catherine Dupont. Et notre objectif, en plus de sauver un site qui était relativement rongé par la mer, c'était d'essayer de comprendre l'aspect domestique de ces occupations. C'est-à-dire que là, je terminerai tout à l'heure en parlant des nécropoles de Téviec et Édic, qui sont assez passionnantes. Mais à Béguerville, on avait cette chance de pouvoir rentrer dans un village du Mésolithique qui a été relativement occupé de manière relativement courte pendant environ 2 siècles, qui se trouvait au bord de mer. Donc là, vous avez la position de Béguerville à 8000 avant Jésus-Christ. À 6000 à l'époque du Mésolithique. Donc là, on est, la mer est à peu près à 500 mètres du campement, là, au néolithique, et puis actuellement. Donc, vous voyez une réduction relativement importante des espaces marins. Alors, à quoi ça ressemble? D'une part, on va avoir ce qu'on appelle l'amas coquillé, le niveau coquillé, qui se trouvait à peu près par là. Et puis, tout autour, on va avoir le reste du village. Et ça, c'est quelque chose que nos prédécesseurs n'avaient jamais explorer, tout simplement parce que ils cherchaient l'amas coquillé. Comme je vous le disais, c'est l'endroit où on avait le maximum de documents archéologiques. Et finalement, nous, on est parti sur des modèles assez simples que moi, j'avais dû piquer à des amas coquillés sénégalais où on voit, en fait,
tout simplement des huttes, des habitations, et puis les gens qui balancent leurs ordures autour. Et donc, on s'est dit, OK, on va fouiller le tas d'ordures, mais on va également fouiller les villages à côté. Donc, voilà à quoi ressemblait, par exemple, l'amas coquillier lui-même de Béguerville. Hein, donc, des tonnes de pierres brûlées, des coquilles. Là, les coquilles que vous voyez, c'est les coquilles d'huîtres. Et puis, dans cet amas coquillier, des grands foyers. Là, vous le voyez en phase terminale. Il fait à peu près 2 mètres de long. Des énormes foyers. Et puis, ce qui domine dans ces sites, c'est du feu, du feu, du feu, du feu. Les gens ont passé leur temps à brûler. Alors, il y a différents types de foyers, des petits, des gros, des appareillés. Tout ça, ça part pas d'une fantaisie particulière, à mon avis. Ça part soit de recettes de cuisine particulières, de fonctions particulières, mais on a vraiment une très grande diversité de foyers. Et ces analyses en lame mince dont je vous parlais, elles nous montrent vraiment une abondance de cendres, de charbon, qui est tout à fait étonnante, qui montre vraiment un usage très fort du feu. C'est-à-dire quand ces nomades, parce que ça reste des nomades, quittaient le campement, ils devaient quitter un espèce de campement entouré de volutes de fumée avec une odeur prégnante d'ordures brûlées et de charbon. Mais c'est vraiment des sites qui sont très marqués par le feu. Et moi qui étudie le petit silex, j'y étais encore cet après-midi, c'est un matériel qui est brûlé, brûlé, brûlé et qui est en relativement mauvais état. Et là, vous voyez par exemple ces très grands foyers avec des dalles inclinées c'est à peu près la taille d'une baignoire et qui finalement occupaient le centre de hutte. Alors comment on les a définis les huttes? On les a définis avec ces petites pierres plantées, vous voyez, qui dégagent des petits logements en fait pour des petits piquets et qui nous permettent à terme en fait, en redessinant en fait la forme de ces huttes qui étaient très bien préservées, d'imaginer, là c'est une reconstitution de mon ami Yann Bernard, sur YouTube d'ailleurs on trouve ça, on a fait un film là-dessus, là c'est une image extraite du film, et vous voyez en fait ces huttes qui devaient ressembler à des wigwams des Amérindiens du Nord-Est, avec des ouvertures au nord, une porte qui est plutôt au nord, et puis des amas coquillés qui sont balancés, si vous voulez, sur la zone de pente vers la mer. Alors, ces braves gens ont bénéficié en fait d'environnements très très contrastés. Dans une échelle de 5 kilomètres, ils pouvaient avoir accès à des estrans vaseux, aux palourdes et ce genre de choses, et puis à des côtes rocheuses qu'ils ont abondamment utilisées. Mais également, on va retrouver, comme je vous disais, la trilogie cerf-chevreuil-sanglier, avec également beaucoup de phoques. Il y avait une chasse aux phoques qui était relativement importante, une pêche qui n'a pas l'air d'être une pêche très loin du rivage, hein. C'est-à-dire que c'est que des poissons qu'on peut attraper en été ou disons à la belle saison si vous voulez au bord de la plage. Énormément de crustacés qui ont été mangés. Alors on connaît mieux le crabe que l'araignée, parce que l'araignée elle a vraiment une carapace qui est relativement fragile, mais des crabes, c'est des milliers de crabes qui ont été becquetés. C'est vraiment et même du crabe vert. En fait, ils mangeaient tous les types de crabes. C'est assez étonnant. Alors, quand on fait une saisonnalité des proies, on se rend compte, en fait, que, en bleu foncé, vous avez la période de présence maximale de ces bestioles. Et puis, en bleu clair, une présence possible. Mais vous voyez, en fait, que si on accumule à peu près tout ce qu'on connaît sur les poissons, les végétaux, les animaux, on pourrait avoir une occupation à l'année. Ce qui ne veut pas dire que c'était un campement sédentaire, mais que les gens, en fait, avaient un rythme, si vous voulez, de nomadisme, relativement rapide et à diverses saisons. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, comme sur la plupart des sites mésolithiques, qu'ils soient continentaux ou marins, on trouve des restes humains qui traînent dans l'amas coquillé comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, avant que je revienne sur les tombes de Teviec et Édic. Mais c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on va voir, qu'on va retrouver également au néolithique et qui a du mal à s'expliquer. Alors, la clavicule de Béguerville, sur laquelle on a beaucoup travaillé là, avec des collègues informaticiens, des tracéologues, elle est assez marrante parce qu'elle montre aussi 24 traces de décarnisation où on voit vraiment qu'il y a eu... Les gens ont enlevé la viande. Alors, le problème, il est toujours là. Est-ce qu'ils ont enlevé la viande pour manger la personne? Ce qui est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'ils se sont chopés soit le plus fragile du groupe ou alors un touriste de passage et puis ils l'ont ingéré. Donc, parce qu'en fait, cet os est traité comme aurait été traité un os de cerf, de sanglier. C'est-à-dire qu'il est abandonné de la même manière. Notre anthropologue nous a dit que bah oui, c'est la logique pour couper les ligaments et tout ça. En plus, cet os a été cassé, il a été brûlé, visiblement, la moelle a été extraite. On trouve, par exemple, on a un fragment de temporal, on a un doigt aussi qui traîne.
Donc on a et ça traîne au milieu de la faune. Trouver le détecter, ça c'est faisable par les archéologues. Trouver l'intentionnalité de ces gestes, c'est très compliqué. Parce que est-ce que c'est par exemple un corps qui a été réduit, une ancienne sépulture qui a été, vous savez par exemple un type meurt loin du cimetière parce que c'est l'époque des cimetières, des premiers cimetières. Dans une expédition, on sait qu'on va revenir dans 3 mois au cimetière. Si vous gardez le corps comme ça. Rapidement, il va quand même vous incommoder par l'odeur et par l'aspect gélatineux. Donc, en fait, souvent, on va avoir un traitement des os, une réduction du corps. Le corps est mis dans un sac. Et puis, quand vous arrivez au gisement, au campement principal ou au cimetière, vous inhumez ces os-là. Donc, on pourrait imaginer que cet os procède d'un rituel particulier et d'une autre temporalité, si vous voulez, des inhumations. Mais on ne peut pas totalement exclure aussi un cannibalisme ou le fait que c'est été un ennemi qui a été ingéré. Alors, il faut que j'accélère un peu quand même, parce qu'autrement, on va finir à minuit. La question principale, en fait, c'est en quoi ces groupes préparaient le néolithique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pénible quand vous étudiez du mésolithique, c'est qu'on a toujours l'impression que ces gens-là étaient en train de préparer le néolithique. Ils savaient pas ce qui allait arriver, mais ils tentaient des choses et tout ça. Or, les preuves archéologiques, pour l'instant, elles ne montrent pas tellement ça. Alors, on a fait, par exemple, des travaux avec de prospection sous-marine dans la baie de Port Maria pour essayer de retrouver des pêcheries, vous voyez des systèmes en fait de pêche qui seraient beaucoup plus intensives et qui auraient pu préparer si vous voulez des accumulations de richesses et pourquoi pas la naissance d'inégalités dans un schéma évolutionniste assez classique. Alors qu'est-ce qu'une pêcherie? Là, je vous ai pris des photos, il y en a encore quelques-unes dans la région de Granville. C'est des énormes barrages qui peuvent être en bois ou en pierre et qui servent en fait à guider le poisson vers des pièges naturels. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y en a des très très belles qui datent du Moyen-Âge et même du Néolithique. Donc vous voyez en fait tout le dispositif est fait et là vous mettez à l'émissaire, à la sortie, enfin au bout des murs, vous mettez des nasses ou des choses comme ça et vous pouvez récupérer beaucoup de poissons. Il y a d'autres types de pêcheries où vous n'avez pas d'émissaire et vous avez juste, on crée un bassin et ensuite vous rentrez dans le bassin avec vos flèches ou avec un bâton et puis vous récoltez en fait les poissons. Donc c'est des dispositifs qui sont mis à peu près à mi-estran pour être efficaces. Nous, on n'en a strictement pas trouvé de cette époque-là, alors qu'il y en a dans le Mésolithique au Danemark ou à Dublin. Nous, on n'en a pas vraiment trouvé. Est-ce qu'il y a des dispositifs de stockage qui permettraient effectivement d'accumuler des richesses, des ressources qui elles-mêmes pourraient donner lieu à des enrichissements de certaines personnes et donc à la naissance d'inégalités? Toutes les fosses qui ont été trouvées et qui ont été interprétées jadis comme des fosses de stockage, vous en avez une en bas à droite ici dans les années 80, sont en fait on a pu faire des analyses géochimiques et puis diverses analyses. C'est tout simplement des fosses à feu, hein, c'est des endroits, des trous dans lesquels les gens ont fait des feux, peut-être pour que le feu s'emballe pas, pour certains types de cuisson, mais on n'a aucun dispositif de stockage connu. Là, j'avais cartographié quelques-unes de ces fosses supposées des fosses de stockage. En fait, systématiquement, on est dans des fosses à feu, donc dans des dispositifs de thermique, si vous voulez. Donc, en fait, on n'a pas de pêche, de pêche intensive. On n'a pas de traces d'un traitement intensif des poissons. Tout ça, ça paraît très très bien. Par exemple, vous allez avoir des tonnes de têtes de poissons. C'est que vous avez eu un travail du poisson. Vous avez l'enlèvement de filets. Donc, vous pouvez imaginer des dispositifs de stockage, de fumage, de préparation pour l'hiver, ce qui n'est pas du tout le cas en Bretagne. Pas de fosses de stockage, pas de dispositif de type pêcherie. Donc, cette idée d'intensification de la prédation qui aurait pu donner naissance aux hiérarchies sociales, elle ne fonctionne pas hein, pour l'instant. La question des hiérarchies sociales, elle est posée et des organisations, elle a été posée finalement dès le début par Marthe et Saint-Just-Pécard, ici que vous voyez des archéologues des années 30, qui ont fouillé notamment le site fabuleux de Teviec, hein, qui reste le plus beau site, mais un des plus beaux sites mésolithiques d'Europe, hein, sinon le plus beau, et qu'ils ont eu la chance de fouiller entre 28 et 31. Et donc, ils ont trouvé, alors je sais pas l'image, c'est qu'elle est peut-être pas terrible, mais ils ont trouvé énormément, vous voyez, de tombes avec des squelettes, on les voit ici. On voit aussi des grands foyers comme ceux que j'ai pu fouiller à Bégarville, vous voyez, qu'eux appelaient des foyers culinaires. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a des humains, des squelettes en cours de
de dégagement. Donc en fait, ils ont eu vraiment cette chance de trouver en fait cette nécropole au milieu des villages. Donc ils avaient vraiment une gamme d'informations énorme. Et puis ils ont fait cette découverte assez marrante de la sépulture K, qui est la plus grande sépulture de Teviec, avec 6 personnes dedans. Et l'individu de base, qu'on appelle le monsieur K6, hein, puisque c'est l'individu 6 de la tombe K, avait reçu en fait 2 pointes de flèche dans l'une en fait qui était dans le dos, qui l'a pas tué, mais qui a dû quand même le picoter un petit peu, donc qui était planté dans une vertèbre, enfin la face dorsale de la vertèbre. Et en revanche, celle que vous voyez à l'écran, elle lui est rentrée comme ça, elle est passée sous la clavicule, elle a traversé l'aorte et elle a été sfichée dans une vertèbre. J'ai eu la chance la semaine dernière pour le tournage d'un documentaire comme je suis un très mauvais acteur, il a fallu que je refasse 700 000 fois la prise. Et j'ai eu la chance pendant 4 heures de la manipuler et c'est vraiment assez extraordinaire. Donc vous avez vraiment l'arme du crime qui est fichée dans cette vertèbre. Donc celle-là, elle l'a vraiment tué, hein, puisqu'elle a sectionné l'aorte et il est mort immédiatement. Ce qui est intéressant, en fait, et là j'ai pu le vérifier pendant 4 heures, c'est que c'est une pointe de flèche mésolithique. C'est pas du tout un meurtre néolithique. Voilà, on est vraiment dans un homme mésolithique qui a été tué par une flèche mésolithique de ce type-là, là que je vous ai montré. Évidemment, c'est pas celle-là, mais c'est une pointe qui lui est rentrée dedans, un triangle Scalen. Donc on est vraiment dans le premier meurtre qui est connu en France, hein, de facto, mais qui a été réalisé, vous voyez, par des mésolithiques pour des mésolithiques, si vous voulez, dans cette optique-là. Et c'était un homme assez belliqueux parce qu'il avait, quelques mois auparavant, il avait reçu un bon coup de massue dans la mandibule qui lui avait explosé en deux la mandibule, et de l'avis des pécards, et il avait les dents aussi cassées. Il a dû manger de la purée mousseline pendant un bout de temps avant de se barrer en courant et de se faire trucider. Voilà. Donc c'était un individu probablement un peu particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été inhumé. Ça, il faut vraiment le retenir. Il a été inhumé avec toute l'apparat funéraire des mésolithiques. Il a été inhumé sur le dos, ce qui est relativement rare. Il avait une résille de coquillage, en fait. Hein, vous voyez, une espèce de coiffure de coquillage sur le crâne. Il avait également un vêtement cousu de coquillage. Il avait des couteaux, il avait des stylets. Et il avait aussi des bois de serre sur la tête. Il a été vraiment inhumé, vous voyez, de manière rituelle, le rituel classique du mésolithique. Il n'a pas été balancé aux ordures, hein, même s'il était visiblement... il lui est arrivé quelques bricoles. Est-ce que c'est un groupe voisin ou je ne sais pas quoi? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est suivi par 5 autres inhumations. Donc, ça commence à faire une espèce de mausolée. Et je vous dis un truc que je ne devrais pas vous dire, c'est que les analyses génétiques qu'on vient de faire montrent que les successeurs ne sont pas vraiment de sa famille non plus, parce qu'on pourrait imaginer que c'est ses grands-pères, papa et puis le petit enfant. Et non, c'est un même groupe humain mésolithique, mais c'est pas des gens directement de son sang. Donc voilà un plan de Teviec que j'avais refait. Les tombes, elles sont un petit peu en rose avec des lettres ici. Les grands foyers, c'est les flaques jaunes. Et puis je me suis dit, tiens, si finalement ces énormes foyers dits culinaires, les grands foyers appareillés que je vous ai montrés à Teviec et à Béguerville, comme à Béguerville, ils sont au centre des tombes ou légèrement décentrés. Si je construisais des tombes de 3 mètres, des tombes, excusez-moi, des huttes. Si je construisais des huttes autour, et donc en gris, j'ai imaginé ce que ça donnerait si on avait eu des huttes à Teviec. Ils n'avaient pas des méthodes assez fines pour les détecter. Alors, pour finir un peu sur ces mondes mésolithiques, on va avoir vraiment des groupes de chasseurs-cueilleurs qui sont très assis sur le littoral. On le voit grâce aux analyses isotopiques, hein, ils ont mangé énormément de produits marins. À Édic, plus de 80% des protéines qu'ils ont ingérées viennent de la mer. Alors ça peut être les oiseaux, les oursins, les crabes, comme je vous l'ai dit, les phoques, les poissons. À Teviec, c'est à peu près 50%. Donc on est vraiment dans des groupes qui sont très très marins. Les analyses génétiques ont également montré que c'est des groupes relativement peu denses, mais qui sont également effectivement avec quelques petites particularités génétiques, ce qui montre des groupes qui sont finalement assez peu en interaction avec les autres et qui créent finalement une sorte de, comment on pourrait dire, de petite civilisation maritime, si vous voulez. On va avoir des mésolithiques continentaux qui sont vraiment différents, beaucoup plus mobiles. Ils n'ont pas les mêmes structures, ils n'ont pas de grands foyers, ils n'ont pas de nécropole. On est dans des groupes probablement qui sont beaucoup plus mobiles pour courir après les animaux continentaux. On a cette idée de la navigation qui est indémontrable
mais qui est nécessaire et donc qui nécessite effectivement quelques techniques. On a vraiment une manière de gérer les cycles, des cycles en fait, que ce soit les cycles des marées, les cycles saisonniers, qui sont relativement intelligentes, hein, qui permettent en fait cette résilience de ces groupes et qui leur permettent de s'asseoir, si vous voulez, dans ces environnements. En revanche, on va pas avoir d'intensification de la prédation, on n'aura pas de stockage, on va avoir des acquisitions de matériaux à courte distance. Donc là, on est vraiment très différent. Vous voyez, des groupes néolithiques qui vont ensuite arriver. Donc on n'a pas de préparation à la néolithique, à la néolithisation, si vous voulez. Si les groupes d'Europe centrale et de France méditerranéenne n'étaient pas arrivés, on peut même se poser la question de la perpétuation très longue de ce type de groupe. En fait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument pas en train de préparer des solutions néolithiques. C'est vrai que je suis resté très évasif sur les statuts sociaux, mais par exemple, on voit pas de tombes particulièrement riches. Les Pécars, eux, disaient ah ben voilà, on a peut-être un enfant roi, mais bon, faut se calmer. L'enfant roi, il avait trois perles de plus que les autres, quoi. Et quand on parlait d'une tombe riche, c'est juste un gars qui avait un stylet en os de plus que la tombe d'à côté. Donc ça a rien à voir avec le tumulus Saint-Michel. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même gamme de valeurs. On n'a pas non plus de différence de genre particulière. Les hommes et les femmes sont enterrés exactement de la même manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, hein. Actuellement, les hommes et les femmes sont enterrés de la même manière et pourtant, on n'est pas dans des sociétés totalement égalitaires dans le traitement entre hommes et femmes. Mais vous voyez, on n'a pas d'enfants rois non plus. Ça, c'est souvent un indice assez fort de hiérarchie sociale. C'est que vous avez des enfants qui ont une accumulation de richesses alors que ça procède évidemment pas de leur travail puisqu'ils n'ont pas eu le temps de bosser. Donc, du coup, on est plutôt, vous voyez, dans des sociétés qui sont relativement... égalitaire. Pendant longtemps, moi, j'ai beaucoup écrit ça, des idées peut-être de familles dominantes, ce qu'on appelle les hétérarchies, qui prennent on a ça notamment en Amérique du Nord-Ouest, dans certains groupes de chasseurs-cueilleurs, où vous avez en fait des familles qui sont dominantes pendant quelques temps, et puis d'autres familles qui remontent, voilà. Le problème, c'est que là, les analyses génétiques nous montrent que ce que je prenais pour des caveaux familiaux, ils sont pas du tout familiaux, donc c'est un vrai problème. Alors ces groupes finalement de chasseurs-cueilleurs, ils vont s'estomper, et ça c'est à l'échelle de l'Europe, ils vont comme disparaître dans les brumes de l'histoire, et ça c'est quelque chose d'assez important à noter. Les analyses génétiques montrent systématiquement ce qu'on appelle un haplogroupe, c'est-à-dire un ensemble de gènes, je crois qu'il s'appelle U5, qui est caractéristique de ces derniers mésolithiques. À chaque fois qu'on a pu faire des analyses un peu poussées, comme l'homme de Cheddar en Angleterre, hein, c'est le même nom que le fromage, hein, mais on les a fait également en Finlande, on les a fait en Espagne, là ils viennent d'arriver au Portugal, et puis c'est pas encore publié, mais on vient de les obtenir en Bretagne. À chaque fois, c'est des individus de petite stature, plutôt assez robustes, à la peau foncée, probablement même très foncée, et aux yeux bleus. Donc, et ça, c'est des signatures génétiques qu'on va quasiment pas retrouver dans les groupes de néolithiques. Donc on a vraiment cette submersion dont je vous parlais, cette reconfiguration de l'Europe, hein, où on va passer de ces groupes de chasseurs-cueilleurs à ces groupes d'agriculteurs, elle va aussi se traduire du point de vue génétique. On est vraiment dans un... S'il y a un grand basculement à retenir dans l'histoire de l'humanité en Europe, ou de l'humanité récente, si vous voulez, je vous parle pas de Néandertal, c'est vraiment la néolithisation. Et c'est vraiment cette période-là. Et les groupes du Mésolithique, ils vont pas laisser grand-chose. Là, j'ai essayé de lister un peu ce qu'ils ont laissé, hein, sur quel est leur legs technique, si vous voulez, au groupe néolithique. Donc, vous avez compris que le legs génétique, il est pas folichon. Assez étonnamment, on va voir réapparaître des caractères génétiques mésolithiques, mais pas tout de suite au néolithique ancien. On les voit réapparaître de temps en temps au néolithique moyen. On ne sait pas pourquoi. Alors, l'histoire humaine est tellement pleine de viols, de choses, voilà, que vous pouvez imaginer tous les types d'interactions qui font que de temps en temps, vous avez un petit morceau de génome mésolithique qui réapparaît au néolithique. Mais c'est de l'ordre, vous voyez, de l'épiphénomène, quoi. Globalement, on a quand même un fort remplacement de population. Et du point de vue technique et archéologique, parce que c'est plus mon fond de commerce, on peut se poser les questions sur ce qui reste et ce qui reste pas. En rouge,
Ah non, vous allez avoir du mal à voir, il faut me croire. En rouge, en fait, vous avez ce qui ne va pas du tout passer. Les matières premières utilisées, taillées, si vous voulez, vont être totalement différentes entre mésolithique et néolithique. Les techniques de taille des roches sont radicalement différentes. Le matériel génétique humain, je viens de vous le dire, il est sacrément différent. Les symboles mésolithiques, les peu de symboles qu'on a, vont totalement disparaître ou vont être totalement renouvelés au néolithique. Les rites funéraires sont totalement différents, les tombes sont totalement différentes, l'alimentation, elle est totalement différente. On a l'impression vraiment que les gens tournent le dos à la mer avec l'arrivée du néolithique. Des choses qui ont pu passer, ce sont les règles de navigation, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. Vous avez compris que les groupes néolithiques, c'est des groupes continentaux. Quand ils arrivent en bord de mer, il va bien falloir passer. On a par exemple un néolithique ancien à Guernesey, sur l'île de Guernesey, qui était déjà une île. Donc, pour qu'il y ait une installation, il faut connaître les courants, il faut connaître les vents, il faut connaître les bateaux, hein, tout simplement. Donc ça, on peut peut-être imaginer que c'est passé, mais vous voyez, on est dans la supputation la plus intense. Pareil pour les moyens de navigation. Quelque chose de plus évident, c'est le chien. Le chien, là, pour le coup, les chiens du mésolithique, c'est assez marrant d'ailleurs, on voit les groupes néolithiques, quand ils arrivent en Europe de l'Est, ils arrivent avec leurs clébards, hein, du Proche-Orient, donc ils vont d'Anatolie, donc les chiens ont une signature génétique particulière. Puis vous savez que ces bêtes, c'est quand même assez difficile de les empêcher d'aller forniquer dans tous les sens. Et donc plus vous avancez vers l'Ouest, plus les chiens mésolithiques, c'était le seul animal domestique au mésolithique, les chiens mésolithiques et les chiens néolithiques vont faire leurs petites affaires. Et très vite, vous avez une mixité génétique qui apparaît. Et donc, on a vraiment un changement génétique très progressif qui se passe pas chez les humains. Donc, l'humain cavale moins que le chien, si vous voulez, en quelque sorte. Mais toujours est-il que là, on peut quand même imaginer qu'il y a un leg, même si ils étaient peut-être pas trop contents que les chiens se lèguent du matériel génétique. Toujours est-il qu'il y a eu un leg un petit peu par défaut des chiens, enfin des mésolithiques. Et par contre, le seul truc qui va tout le temps franchir la barrière entre les groupes agricoles et les groupes de chasseurs-cueilleurs, ce sont les armes. Et systématiquement, les premiers agriculteurs dans une région vont adopter les armes des derniers chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est vraiment une règle dont j'ai pas vu de contre-exemple à l'échelle de l'Europe. Et donc pour nous, en Bretagne, vous voyez, ça c'est les flèches tranchantes mésolithiques. Certaines ont des traces d'impact assez marquées, hein, ici et tout ça. Ces flèches tranchantes du mésolithique vont devenir dominantes dans les industries, dans les armatures du néolithique. C'est la même chose dans le bassin parisien, c'est la même chose dans le Rhin, c'est la même chose, moi, ce que j'ai étudié au Portugal. Et donc ça c'est quand même rigolo, quoi. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui sont antagonistes, qui probablement se fuient de temps en temps, doivent se taper sur la figure, mais on n'en a aucune trace archéologique. Et toujours est-il que la chasse ou la guerre mésolithique a suffisamment impacté symboliquement ou visuellement les groupes néolithiques pour qu'ils adoptent les armatures de flèches. Donc, si vous voulez, pour résumer la situation, le seul leg de ces groupes de chasseurs-cueilleurs, ça va être les armes, des pointes de flèches. C'est assez rigolo parce que ça, c'est quand même une règle qui vaut vraiment pour toute l'Europe et qui quand même indique un type de relation particulière entre ces groupes. Alors, une des questions qu'on s'est beaucoup posée partout dans le monde, c'est la question de la réversibilité des modes de vie agro-pastoraux. Parce qu'en fait, ça nous semble tout à fait normal que ce soit mieux d'être agriculteur que chasseur. Il faut voir que c'est pas franchement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une diminution de la durée de vie qui est assez manifeste, hein, dans les groupes néolithiques. C'est-à-dire que les premiers agriculteurs meurent plus tôt que les derniers chasseurs-cueilleurs. On va avoir aussi des développements de maladies beaucoup plus fréquentes chez les agriculteurs, tout simplement parce qu'ils vivent en permanence avec des animaux. Bon, là, on sort tous d'une pandémie. Vous savez ce que c'est de la cohabitation, des échanges interspécifiques, hein, entre humains et animaux. Donc on a encore connu là l'exemple récent, si vous voulez, de ces problèmes d'interaction, de trop grande fréquentation des animaux. Et puis également, ça se traduit, la néolithisation, partout systématiquement, l'installation des gens, les villages sédentaires, ça se traduit par une difficulté à gérer les ordures, les excréments. Quand vous êtes chasseur-cueilleur, je vais peut-être pas, bon, vous avez mangé il y a quelques temps, mais on va peut-être pas insister là-dessus, mais quand vous êtes chasseur-cueilleur, vous avez constellé les environnements de votre gisement de produits
issu de vos tripes, c'est pas très grave. Vous êtes nomade, vous partez, pam pam pam. Quand vous êtes sédentaire, il faut gérer ces trucs-là. Hein, j'en dis pas plus. Je crois que la plupart des gens ont compris, voilà le truc. Mais toujours est-il que cette gestion difficile des ordures, cette cohabitation avec les animaux, font qu'on a une mortalité infantile qui explose au néolithique ancien. En même temps que la démographie, on va avoir énormément de mortalité infantile. Les dents également, les caries apparaissent, différents types de maladies apparaissent. Donc vous voyez, le gain en qualité de vie n'est pas évident quand vous devenez agro-pasteur, ce qui peut expliquer aussi le fait que on va avoir ce temps de latence de plusieurs siècles entre, d'une part, le développement des villages agricoles et puis l'impact vraiment environnemental de ces sociétés. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être testé d'autres modes de vie. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est pas cool de devenir agriculteur, pourquoi on redevient pas chasseur? C'est la question de base. On a quelques contre-exemples en Afrique, on a quelques contre-exemples au nord du Mexique aussi de groupes d'agriculteurs ou d'horticulteurs qui sont redevenus chasseurs-cueilleurs nomades. Mais ça reste quand même relativement, en Amazonie également, mais ça reste relativement anecdotique à l'échelle de la planète. Et donc, une des explications actuelles qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle me semble encore robuste, c'est que tout simplement, le développement des sociétés agro-pastorales vous permet quand même d'augmenter la productivité de vos villages et donc d'augmenter la démographie. Et arrive un moment où finalement, vous passez un cap où vous pourriez plus nourrir votre population avec la chasse et la cueillette. Sauf évidemment sur les littoraux, et c'est probablement pour ça que les groupes littoraux, notamment autour du Pacifique, avaient une densité de chasseurs-cueilleurs, avaient une densité de population supérieure aux agriculteurs. Donc sur les côtes, vous pouvez subvenir à une population importante avec les moyens, avec les nutriments maritimes et le mariage entre nutriments maritimes et nutriments continentaux, ce qui n'est évidemment pas le cas en région continentale. Mais cette question des réversibilités des modes de vie agro-pastoraux, elle n'est pas fermée encore. Hein. Je pense que plus nous, on va avancer là-dessus, plus peut-être on va avoir des contre-exemples. Et le fait que ça nous semble normal de devenir agriculteur ou pasteur, c'est peut-être pas si normal que ça, en fait. Hein. Il y a eu des temps de latence relativement importants qui sont des choix collectifs, hein, probablement, et qui peuvent expliquer en fait ces accros dans le tissu dont je vous parlais. Mais écoutez, j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai une tendance affreuse à être très bavard, donc je suis désolé, j'ai peut-être été un peu trop long. Et voilà, je vous remercie. Ah oui, s'il y a des questions, on m'a dit de parler dans le micro, c'est ça ? De les poser dans le micro. Est-ce que ça marche ? Oui, non. Marches-tu ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Attendez, question dans le micro. Non, question dans le micro, s'il vous plaît. La question, c'est sur le nombre d'individus sur la planète, c'est ça, à cette époque ? Non, mais même dans la zone de ce que vous venez de dire, dans toute la presqu'île de Quiberon, etc., est-ce qu'il y a une idée du nombre d'individus qui... Oui, alors c'est vraiment une bonne question parce que ça a beaucoup intéressé les archéologues, les anthropologues. C'est pas évident hein, parce qu'en fait, vous avez que des trucs indirects. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu deux types d'estimations à l'échelle de la planète et puis à des échelles plus réduites. Elles sont basées en fait sur la productivité des écosystèmes en enlevant un pourcent, en tenant compte que les gens vont pas massacrer tout leur écosystème, donc toujours en laissant une réserve, si vous voulez, pour permettre la résilience de ces écosystèmes. Et il y a deux modes de calcul, et les deux arrivent à peu près au début du Mésolithique à entre 7 millions et 10 millions d'humains sur la totalité de la planète. Sur la planète. Donc c'est voilà. Et donc sur la France, ça ferait à peu près 50 000 êtres humains. Au Mésolithique sur la France. Et ça n'a jamais pu être évalué en fonction des déchets
en fait, qui ont été émis par ces populations. Et non, parce qu'on contrôle mal la chrono. Même sur les sites où on a vraiment des très bonnes chronologies, comme Bégarville, hein, qui reste quand même la Cadillac du Mésolithique, on a vraiment, je ne sais plus combien de dates j'ai faites, 30 ou 40, on arrive à sandwicher, si vous voulez, un petit peu l'occupation à 2 siècles. Mais le problème, c'est que le radiocarbone, il a une marge d'erreur de 40 ou 50 ans, ce qui fait qu'en fait, tout événement est étalé, si vous voulez, dans le temps. C'est très diffus, quoi. Et donc, effectivement, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est ce qu'ont fait mes collègues, comme c'est Rozoy et Lewis Binford, qui en fait, ont fait des estimations en fonction de la productivité des écosystèmes. Quoi. D'accord, ce qui n'est pas totalement aberrant. Donc, attendez, du coup, ça fait 1000 fois moins d'humains que l'actuel. Donc, c'est vrai que si on était resté à des modes de chasse-cueillette, on serait 10 millions sur la planète, à peu près. Quoi. Merci, monsieur. Est-ce qu'ils ont... Quelle est la relation avec les algues ? Bien justement, là, c'est ma collègue Catherine Dupont, elle essaye de travailler dessus. Le problème des algues, c'est que ça laisse très très peu de résidus, notamment même quand ça brûle. Donc elle travaille sur... il y a des témoignages indirects, notamment sur certains mollusques marins qui sont collés à certaines algues. Et donc, en retrouvant ces mollusques marins, elle arrive indirectement à montrer que les algues sont revenues sur le terrain. Ils essayent aussi de travailler sur les... Il y a quand même des micro-résidus qui peuvent exister pour essayer de trouver les algues. Mais pour l'instant, on est plus dans l'idée que les algues, c'est bon et que pourquoi ils n'auraient pas mangé d'algues. Mais on est dans la wish list, comme on dit. Quoi. Mais il y a aucune. C'est comme par exemple l'usage du sel. Il y a beaucoup d'archéologues qui voudraient que, peut-être à raison, que ces gens-là aient déjà récolté du sel, parce que c'est quelque chose d'assez important, notamment dans les échanges avec les groupes de l'intérieur. Idem au néolithique. Hein, il y a cette idée que le sel a peut-être procédé à l'enrichissement des groupes néolithiques dans la région de Karnak. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même un moment ou un autre trouver une preuve archéologique, quoi. Et il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de vase avec du sel, il n'y a pas de four à sel. Donc, voilà, l'hypothèse du sel, elle reste aussi elle est tentante, si vous voulez, quoi. Mais si on fait que de l'archéologie de ce qu'on aurait envie, ça va pas être génial, quoi. Ah, Paul. Est-ce qu'il y a une sorte de radicalité entre la situation des chasseurs-cueilleurs et les agro-agriculteurs, voilà. Ou est-ce qu'il y a eu une mixité des attitudes, c'est-à-dire qu'on pouvait être chasseur-cueilleur et commencer quand même à cultiver certains arbres, certains arbustes, et où est-ce que les situations étaient vraiment assez radicales telles qu'on semble les avoir étudiées et telles que oui, encore aujourd'hui, ouais. Je l'entendais. Et vous est-ce avez qu'il raison, y a eu une mixité des attitudes ? Ça, c'est une question intéressante et on trouve des bonnes réponses d'ailleurs au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, on voit que le développement de l'agriculture est très très lent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque, on va acclimater certaines plantes. Voilà. Pour l'Europe, en fait, dans la mesure où on a beaucoup moins de variétés de cultigènes, on l'imagine beaucoup pour les noisetiers. Mais dans la période antérieure, donc vers le 9e, 8e millénaire, qui est vraiment l'âge de la noisette, hein, on ne peut pas fouiller un site sans trouver des milliers de coquilles de noisettes brûlées, ce qui n'est plus du tout le cas au Mésolithique final. Hein. Au Mésolithique final, ils ne bouffent plus de noisettes. Mais il y a eu une période où... Et donc, il y en a tellement qu'on se pose la question, et ils ne sont pas totalement crétins, ils ont dû comprendre assez vite qu'en enterrant quelques... En regardant même ce que font les écureuils, il y a une réserve d'écureuils, ça va engendrer des noisetiers. Mmh. Donc, on se demande s'ils n'ont pas favorisé Donc, on peut imaginer certains types de mixité et idem chez les premiers agriculteurs. Hein. Le fait qu'on ne voit pas leurs champs dans les diagrammes polliniques, ça indique peut-être en fait des petites parcelles ou des choses assez compliquées. Par contre, pour les groupes mésolithiques, il y a un seul type de domestication, c'est le chien. Mésolithique final, hein, pardon, vraiment la dernière partie dont j'ai parlé. Et le reste, il y a un très gros mystère, par exemple, c'est les glands. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des chênaies géantes. Donc, vous imaginez, les types, ils passent leur temps à marcher sur des fruits toute la journée. Et on n'a aucun indice de traitement de ces glands. On en a, par exemple, chez les Amérindiens en Californie. Mais là, en Californie, il faut enlever le tanin, vous savez. Donc, il y a tout un processus. Il y a des meules, il y a des molettes. Donc, il y a vraiment des outils pour travailler ce genre de fruits. Et ce n'est pas du tout le cas au Mésolithique. Au Mésolithique, on n'a pas une seule molette, on n'a pas une seule meule, on n'a pas des bassins
qu'on pourrait imaginer pour enlever le tanin. Donc en fait, c'est, pour moi, c'est un des gros mystères. C'est-à-dire, ils passent leur temps à marcher sur des fruits à l'automne et ils ne les consomment pas du tout. C'est peut-être encore une nouvelle barrière. C'est comme les algues, hein, peut-être qu'on les on voit pas et qu'on est... Une question encore ? Dès le début de votre exposé, vous avez parlé de l'humidité, du climat, pour amener les légumes, enfin les céréales qui viennent du croissant fertile vers l'Europe. Est-ce qu'on a une idée de quel était le climat à cette époque-là ? Une idée vague, bien sûr. Oui, on a pas mal de bons indicateurs, hein, même pour le... ça, donc en gros, on est vraiment même à une période un peu d'optimum climatique, donc une période qui serait légèrement plus chaude après Béguerville, hein, je vais revenir dessus. Donc après 6000, on rentre vraiment dans une période tiède, beaucoup plus agréable que, enfin un peu plus agréable que maintenant, une période un peu plus chaude. Et en revanche, pendant l'époque de Béguerville, entre 6002 et 6000, il y a un accident climatique énorme, hein, qu'on appelle le Finn's Event, c'est tout simplement un énorme lac glaciaire qui est sur le nord du Canada, bah, qui, dont le résidu, c'est les grands lacs actuels, hein, Ontario et tout ça, en fait, qui va se déverser pendant 6 mois dans l'Atlantique Nord, et donc, en fait, qui va totalement déplacer le Gulf Stream beaucoup plus au sud. C'est d'ailleurs un peu ce qui peut nous menacer maintenant, c'est-à-dire que, tout simplement, vous avez énormément d'eau douce en surface, et les courants vont se déplacer vers le sud de l'Europe. Et on a un refroidissement majeur qui dure à peu près 170 ans et qui correspond exactement à l'occupation de Béguerville. C'est assez étonnant. Et là, on a un rafraîchissement très net des températures de 3-4 degrés. Et comme on est en Bretagne, on a quand même de la flotte, donc c'est beaucoup plus humide. Donc c'est beaucoup plus froid et humide. Mais hormis cet épisode climatique, vous voyez, qui est assez brutal, 6002-6000, on est vraiment dans un climat un petit peu plus sympa que maintenant, un tout petit peu plus tempéré. Et donc un peu plus humide pour nous, pauvres Bretons, quoi. Parce que dès qu'il fait chaud quelque part, il faut qu'il pleuve chez nous, quoi, mais bon. Il y avait quand même une situation comme maintenant de climat avec un transfert de calories du Golfe du Mexique. Oui, voilà. Bon, grâce au Gulf Stream, hein, c'est vraiment lui qui nous a. Et donc, comme la reconquête végétale est lente en fait par rapport aux températures, on a quand même un étagement des types de végétation et on a un gros mystère pour la période que je vous dise pas de bêtises, fin 9e millénaire et 8e millénaire avant Jésus-Christ, si vous voulez entre 8005 et 7005, on va avoir des associations végétales qu'on connaît plus de nos jours, c'est-à-dire une végétation relativement ouverte de steppe avec d'énormes bosquets de noisetiers. Et c'est ce que je disais à madame tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, entre nous, on appelle ça l'âge de la noisette. C'est que on devait avoir en fait un paysage végétal que j'aurais du mal à vous retraduire, que les écologues ont encore du mal à traduire et qui correspond à cette reconquête forestière avant que la chênaie submerge totalement les paysages, quoi. Et donc ces premiers agriculteurs néolithiques, du Villeneuve-Saint-Germain, dont je vous ai parlé, eux, ils arrivent et ils progressent dans une forêt primaire costaud. Hein. Donc, il faut ouvrir les champs, d'où le développement des haches et tout ça. Mais vous voyez, on est, ce qui peut expliquer aussi cette lenteur de la transformation des paysages agraires, ou disons, on pourrait dire cette immersion lente des paysages agraires, vous voyez, qui dure à peu près 500 ans, parce qu'en fait, il a fallu défricher une chênaie qui devait être assez costaud, quoi. Une autre question ? Oui, je voulais savoir, dans un monde idéal, quel site vous aimeriez fouiller, dans quel milieu, quelle conservation qui permettrait de confirmer certaines hypothèses ou de renouveler un peu les informations au niveau du mésolithique. Et c'est ce qui nous manque beaucoup. Là on a beaucoup fouillé sur le littoral. Là, je continue. Vous avez par exemple à Édic, là où on a fait des petits sondages avec un collègue espagnol et sur lesquels on travaille. Mais là, on se rend bien compte qu'on a une espèce d'asymptote de nos connaissances sur les amas coquillés de l'Ouest. Et ce qui nous manque vraiment, c'est un beau village à l'intérieur des terres, dans la vallée de l'Aulne, la vallée du Blavet,
la vallée de la Vilaine. Mais moi, j'ai vraiment énormément fouillé dans la zone continentale, en centre-Bretagne, un peu partout, en Pays de la Loire, en Poitou-Charentes. Et j'arrive pas à tomber sur ce genre de site. Mais moi, je crois beaucoup qu'un jour, l'archéologie préventive nous trouverait ça. Parce qu'en fait, il nous manque le pendant de ces sociétés littorales. Et donc, finalement, on se retrouve... Je pense que on les met un peu sur un piédestal. On en fait un peu le parangon des chasseurs-cueilleurs qui ont l'air super cool et super chouettes avec leur cycle. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment les chasseurs-cueilleurs continentaux. Quid, par exemple, des cimetières? Bon, est-ce qu'ils avaient des cimetières ou est-ce qu'ils continuaient à déposer leurs squelettes un peu... Enfin, leurs défunts un peu partout? On n'a que des questions, en fait. Du coup... Ce qui nous manque vraiment, c'est des bons gros habitats à l'intérieur de sur la masse continentale, quelle qu'elle soit, quoi. Et oui, lié aux tourbières. C'est ça qui va être le problème, c'est qu'en plus, il faut qu'il y ait des conditions de préservation correctes. Donc, comme il n'y aura pas les coquilles, il faudrait qu'il y ait un lien avec des tourbières ou des zones assez immergées. Ça fait beaucoup de contraintes. Surtout que les tourbières sont de plus en plus protégées par les lois environnementales. Donc, on va de moins en moins les détruire. Donc, la plupart de nos sites, les sites espérés sont sous les tourbières. Donc, effectivement, c'est peut-être pas demain la veille. Ouais. Mais ne serait-ce que les structures qui auront résisté, les tombes, par exemple, on peut fouiller une tombe, tant pis, il n'y aura pas de squelette dedans, mais on reconnaîtra la forme de la tombe, les huttes, les foyers, et ça, on n'a pas du tout. Hein. Tous les sites que j'ai fouillés, je ne sais pas, j'en ai fouillé au moins une vingtaine, j'ai jamais trouvé un seul foyer empierré. J'ai toujours trouvé des traces de nomades qui vont très vite, en fait, qui se déplacent beaucoup. Même dans les abris sous roches, même dans les grottes, il n'y a pas d'aménagement très fort de l'espace. Quoi. D'où peut-être on a l'impression vraiment que sur les côtes, ils avaient cette espèce d'assise territoriale qu'ils n'avaient pas à l'intérieur. D'ailleurs, les analyses paléo-anthropologiques, donc pas forcément génétiques, mais montrent en fait que les populations de Teviec et Hédic avaient des petits caractères particuliers, ce qu'on appelle des caractères discrets, des petites mutations, des petits trucs un petit peu d'arthrose par-ci, des morphologies particulières de leurs os qui sont différentes des mésolithiques continentaux, mais pris sur une large échelle, hein, sur l'Europe de l'Ouest. Donc on voit bien en fait que ces groupes littoraux, ils sont relativement autonome, si vous voulez. Et certes, il y a des échanges avec l'intérieur, il n'y a pas de problème, des matières premières et tout ça, mais il y a quand même une espèce d'endogamie, en quelque sorte. Quoi. Ah. Alors, par là. Merci. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, en fait. Les chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades et donc les gens du néolithique arrivent, ils sont agriculteurs. Mais comment ils arrivent à faire des amas coquillés aussi énormes s'ils sont nomades? En fait, ce sont des villages, c'est quoi? Ah ouais, en fait, ils reviennent régulièrement sur les mêmes zones. C'est pas un hasard si finalement dans ces amas coquillés, et ça c'est pour toute la planète, c'est là où on trouve les cimetières aussi. C'est-à-dire que c'est probablement C'est peut-être plus le cimetière qui fait que les gens reviennent régulièrement. Le cimetière, encore une fois, ça fait partie des choses qui nous semblent normales de regrouper nos morts, mais c'est pas du tout le cas au paléolithique supérieur. Par exemple, au paléolithique supérieur, les Maccabées, d'ailleurs, on les connaît relativement peu, mais les tombes doivent être isolées. Est-ce que les gens sont laissés dans des arbres comme avec chez certains Indiens ou... Et toujours est-il que avec le mésolithique, on a la naissance de ces nécropoles, de ces cimetières, ce qui indique probablement un autre lien à l'espace. C'est-à-dire que vous ramenez votre défunt, tout le monde ne va pas mourir évidemment près du cimetière ou dans le village. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes nomade, vous ramenez votre défunt à des endroits particuliers. Et comme par hasard, c'est les endroits où il y a ces amas coquillés. On sait aussi, notamment par les analyses de sol, qu'il n'y a pas tellement d'abandon de ces villages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une déprise pendant 50 ans. Et puis on revient, donc on voit une espèce d'occupation continue, mais de nomadisme régulier, si vous voulez. Peut-être que les gens reviennent tous les mois, tous les 15 jours. On travaille beaucoup là-dessus, là, avec ma collègue Catherine Dupont. C'est vraiment un des objectifs qu'on a, c'est d'essayer de mieux scander leur rapport au temps et à l'espace, quoi.
Donc, mais ils restent mobiles. La mobilité, on la sous-estime toujours, hein, chez les chasseurs-cueilleurs. Dès que vous regardez des exemples ethnographiques, c'est ahurissant, quoi. Les gens, ils cavalent tout le temps. Plus votre écosystème est riche et dispersé, si vous voulez, comme dans la forêt équatoriale, c'est-à-dire que vous n'avez pas des gros regroupements de nourriture, plus vous êtes nomades. Hein, les Indiens, comment ils s'appellent, ceux du Paraguay, ils changent de maison, enfin de remplacement tous les deux jours. Ça cavale. Et par contre, quand vous êtes monté dans les latitudes nord, vous avez des regroupements de nourriture. Alors, ça peut être des troupeaux de rennes, évidemment, les saumons, certains bancs de coquillages. Et là, le nomadisme diminue. Mais il continue à être relativement intense. Hein. Bon. Plus de questions ? Oh, bah, je vous remercie. Eh bien, merci. Merci bien, Grégoire. Thank you.